Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Centième édition du Tour de France. Les 21 virages de l'Alpe d'Huez sont pris d'assaut par les camping-cars. Petite situation en image vue du ciel. Elle est belle. It's so out of sight, this time, this place, this space in the open where we would lay. Outside the sky is black in the middle of July and stable nature. I'll be les barrières là, donc tu passes là les grandes barrières qui vont rejoindre derrière le chapiteau en fait, voilà. Ah ouais, d'accord. Et qui vont rejoindre le tribune derrière. Trois semaines avant on commence à préparer et 15 jours, les 15 derniers jours là vraiment on se met en place où vraiment on commence à fermer les routes, on prévoit les emplacements pour les camping-cars, pour les spectateurs et tout, où là vraiment ça se met vraiment dans la station, ça se met vraiment en place. Tous les emplacements sont vraiment tout pris pour le Tour de France, c'est exclusivement que pour le Tour pendant 15 jours. Là, il y a 12 km de barrière, on rajoute des toilettes, un sac poubelle, on vous explique même pas ce qu'on met en plus. On crée une petite ville sur une ville. Les derniers jours, c'est que l'afflux de camping-cars et de piétons et de vélos, ça commence à être compliqué, on commence à être saturé. Donc on essaye tant bien que mal de trouver des places. C'est pas évident, mais on trouve toujours des solutions, parce que bon, les gens sont quand même c'est dans un bon esprit, donc on arrive toujours à se débrouiller pour trouver le maximum de places. C'est une étape célèbre et très attractive, étant donné que cette année ils montent deux fois. Voilà. Film away. What do you want me to do? I'll say. Tour de France, vive la Tour. It's my honeymoon actually. My wife is riding it tomorrow morning. I'll be just taking pictures of her when she comes past. Sitting in the sun, drinking a beer, you know. And then Thursday we'll be cheering on Chris Froome. Yeah. C'est bon, ça va tenir ? Normalement, oui, ça devrait. D'habitude, par facilité, nous habitants d'Angoulême, on va plutôt dans les Pyrénées. Mais là, comme il monte deux fois et que bon, l'Alpe d'Huez, ça reste l'Alpe d'Huez, on pense que ça sera décisif, donc on est venu là.
Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Allez, 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 allez. That's from Brasilia. Brazil. Brazil. Bonjour. Brazil. Rio de Janeiro. Voilà un homme qui file vers la victoire. Alors attention, il va arriver. Vous êtes arrivé quand? Il y a deux heures. Et qu'est-ce que vous allez faire de vos journées alors en attendant le jour J? Ben on va boire. C'est la première fois que vous venez? Gérard, ça fait combien de fois que tu viens au Tour de France? 30 ans lui. 30 ans de Tour de France. Chavanel rijdt hier voor Kwiatkowski. Kwiatkowski had dus niet zijn best. Alors la mission c'est de ramasser les sacs pleins, de en donner des vides. Alors là en tout, on est à 200 sacs par carton. 400, je sais pas, on en a bien 1000 là, hein. Là on descend jusqu'à la garde, donc je pense qu'on va bien remplir la benne là. Super, c'est bon. Avant il faut que je ramène au trouveau, j'en ai plus. Tenez. Merci. Y'a pas de soucis. Bon, on revient à Bruno Jarre, tu fais pas la vie quand même, hein, Bruno. Merci. Vu qu'on va jusqu'à la garde, on pourra pas prendre tous les sacs pleins et du coup on va les laisser au bord de la route. On va en laisser le maximum au bord de la route, en prendre quelques-uns et les mettre dans des containers. T'as des mecs qui sont en train de se faire le barbecue à gauche. Ouais. Putain, j'avoue, ouais. Mais qu'est-ce que vous cuisinez? What's it? What's it? Thank you.
Alors là, c'est assez complexe parce qu'en fait, nous devons diriger les voitures qui continuent de monter sur l'Alpe d'Huez et diriger sur différents parkings, donc soit payants au niveau des bergers, soit gratuits, mais ils pourront prendre leur véhicule en fait que vendredi matin. Les gens ne sont pas forcément d'accord pour prendre leur véhicule que vendredi matin et ne veulent pas forcément payer un parking. Donc ils essayent toujours de tricher à droite à gauche. De retour sur la terre ferme, nous sommes la veille du Tour de France. Les habitants des 21 virages attendent dans la joie et la convivialité le jour J. Suivez-moi pour une nuit plutôt mouvementée. Tour de France. We bleed yellow and gold, Australia. Yes. You shouldn't talk like that. L'autre fois, on était un peu plus bas, juste vers l'église. Mais maintenant, il n'y était plus de place, donc on a monté un peu plus haut. Et bon, ils sont bien équipés, hein. This place is like a circus, right? It's a traveling circus. How could you not come here? If you've never been here, you'll never know what it's like. And to come here for the first time is absolutely unbelievable. Logiquement, je pense que c'est Prom qui va gagner. Il y a pas photo. Ouais. Ah ben lui, il est en guerre. Non, mais il faut qu'on arrête. On verra demain. Il faut qu'on arrête. Il est dopé, Prom. Mais non, mais. Maintenant, on a 10 ans après, on dit Jalabert était dopé, mais il faut qu'on arrête. Oui, voilà, plus oui. Et c'est nous, l'Ardéchoise qui allons gagner. Ils sont fantastiques. Ah, il y a un qui est 4 fois la montée de l'Alpe. Par an. Par mois. Alors, les Hollandais, catastrophe. Ils sont là. Ah, Ralef. One again. No catastrophe. Ralef. Ralef. Ils prennent du produit, tu sais, fabriqué par nous chez nous. Voilà. Avec un petit peu de coca. Est-ce que tu le refais avec le coca dedans? Bien sûr. I was in this region before, snowboarding, skiing, but never in summer. So? Oh, excellent. Lots of people. Thank you. Number of people more than the number of the trees. Citoyens, on est à la taille.
It's been there for a week. D'arriver, on les voit dans le bas de la vallée arriver. And cola. Well, so we really look forward to see this today. Yeah. Where are you going? All right. Now I'm doing my song. Fine. We are the best. Well, we walked up, we set off at 10:30 from the morning. We got here this morning about 2:00 in the morning, and so we've had about 3 hours sleep, but we don't mind because we love it. And now what are you waiting for? Well, Chris Froome, hey. England. Lovely, hot chocolate. Et voilà, la vache dedans au Tour de France. Comment ça va ce matin? Impeccable, la nuit a été un peu courte, on a dormi moins de 2 heures, mais ça va aller pour aujourd'hui, avec le beau temps. Pourquoi vous avez dormi si peu? On a fait la bamboula toute la nuit.
l'arrivée du Tour de France, les Hollandais, fidèles à leur habitude, mettent l'ambiance. La première fois qu'on vient, on ne regrette pas le voyage. Franchement, c'est génial, les gens sont super sympas, c'est énorme. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh.
le Tour de France, c'est toujours quelque chose de spécial, même s'il a commencé ici il y a très longtemps, en 52. Mais cette année, ce qui est spécial, c'est que d'abord, c'est la 100e édition et que cette édition passe par le col de Sarène avec deux montées de l'Alpe d'Huez, deux fois les 21 virages, comme Christian Prudhomme l'a annoncé à Paris, c'est 42 virages et c'est assez exceptionnel, ce qui explique l'engouement peut-être un petit peu plus fort que d'habitude. On a beaucoup plus de camping-cars puisqu'on a dépassé les 2000. Par contre, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur le bord de la route, mais on a pris une société qui va nous compter exactement le nombre de téléphones portables qui seront présents sur la station et dans la montée, de façon à ce qu'on puisse, dans l'avenir, annoncer des chiffres cohérents. Ce sera peut-être aujourd'hui et certainement la meilleure audience, la meilleure étape retransmise au niveau de toutes les télés et vue par certainement le plus de téléspectateurs. Donc c'est inouï pour le Tour, c'est important pour le Tour de France. Rigor Anton, Alejandro Valverde et le Colombien Rosé Serpa. Voilà les trois coureurs que nous retrouvons actuellement plein écran le groupe. Mange du bateau! Hey, t'es bon petit, t'es bon! Cette 100e édition magique du Tour de France s'achève, en route pour les Champs-Élysées. Nous retrouverons dans 2 ans les coureurs à l'Alpe d'Huez. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un prochain petit journal.